Et bonjour à tous, alors je sais pas si ça va aller pour le son, je vais baisser un petit peu. Voilà, ça devrait être pas mal comme ça. On va se faire quelques games avec un petit nouveau qui s'appelle Waze. Alors vous connaissez mes petits nouveaux sur Heroes of the Storm. Bonjour, bonsoir. Alors Waze, t'auras intérêt à être concentré. D'accord. Et donc on va commencer, t'as déjà joué un peu? J'ai fait quelques coops rapides. D'accord. Des bots. Bon bah. Allez. Attendez un peu. Allez. Attendez un. Normalement, c'est comme ça. Ok. Hop. Je vérifie juste un truc, ouais, c'est bon. J'ai la maîtrise du bordel. Jardin de terreur. Je l'ai jamais faite celle-là. Faut qu'il y a des fleurs. Merci. Récolter des graines. D'accord. Bon. Le combat va bientôt commencer. Alors moi je la joue en mode full pété. Je sais bien. Voilà. Ouais, tu me suis, ouais. Ouais. T'as vu comment elle est belle ma Kerrigan? Les portes s'ouvriront dans. Ouais. 10 secondes. On est chié pour l'avoir, ça. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Tuez, combattez, répandez mes sports. Oh, c'est vrai que j'ai des problèmes de souris quand j'avais oublié. Oh putain. Je suis en route. Héros, la nuit va tomber dans quelques instants. J'espère que vous êtes prêts. Je suis en route. Il est temps! Faites ce que vous avez à faire! On chase pas. Non, je suis en haut. Avec eux en haut. Choisissez un talent.
Oh putain, la chance. Hop, attention, back, 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 back. Alors, choisissons un talent. 5 points. Je vois que vous avez survécu à une nuit de plus. Allez, on prend notre ligne. Ouais. Oh, moi, je vais aller à la fontaine, puis tu j'ai plus de mana. La terreur attend, héros. Venez cueillir sa puissance. Bien joué. Je suis... Cette terreur va saper la sève de vos ennemis. Recule, recule, hein. Ça se recharge la vie, en fait, quand elle est en top doll. Résolument. Un excellent soin. Et ne choisissez pas de mettre à demain. Alors. Après, je suis ready. Votre terreur n'est plus que complice. Inutile de remettre à demain. Je continue ma conquête. Oh, je back, et bientôt les traînes racines ressortiront. Choisissez un talent. On leur met la branlée hein, pour l'instant. Ouais. Au niveau d'avance. Ha ha ha!
C'est mort. Ah, GG. Inutile de remettre à demain. C'était plus facile. On va faire la grosse peur. Un massacre. C'est un peu... Dommage, si ça avait suivi, on les prenait les 5. Hein. Ouais, mais moi j'ai pas... J'étais trop sur ma lane, du coup, je voyais pas ce qui se passait. Les contaminés reviendront bientôt. Le fort de vos ennemis est brisé. Oh merde. Il y a le mec au bot qui me chatte tout à l'heure. Intéresse. Votre terreur n'est plus. Il y a une push. Bah, bon, là par contre. Quel plaisir, Lily. Stocker le kill. Ah bon? Les traîneries ouais, sont de retour. Libérez mes graines, héros. Mais c'est compté en équipe après. Hein. Ouais, voilà. Résolument. En bas, je crois. Ouais.
résolument. Putain, ils m'ont bloqué ce coup-là. Oh merde. C'est quand qu'ils aient pas suivi les autres. Bah oui, putain. On les a tous quoi. Oh merde, je faisais du 10-0. Ouais, je suis en forme là. 27k dégâts héros, je suis en forme. Moi qui fais le plus. Voilà. Kerrigan Power. Ouais, j'étais un peu gourmand, hein, je suis dans le tas. Ouais. Vous avez récolté assez de graines. Sentez-vous grandir la terreur. Viens voir moi. Merci. Bon, c'est pas grave, c'est bien, c'est bon. Je kiffe Kerrigan, c'est ma main. Ma copine. Mais j'en ai marre de faire pour son nom.
J'adore contempler mon jardin à la lune. Il est meilleur. Choisissez un talent. Bon, maintenant je suis quasiment invincible. J'ai la lame du Nexus. Autant vous en débarrasser. Trop bien. Victoire. Vous avez bien Victory. La victoire. J'aime bien Lily. Eh? Ah oui, Lily, elle est géniale. Je ne suis pas mécontente de l'avoir achetée. Lily, c'est la meilleure, de toute façon. Ça va aller et passer niveau 3. J'ai du combien? 19-1 quand même. Toi tu fais du 19-3. 19-3 mais en dégâts héros par contre, voilà quoi, j'étais le meilleur de la partie. Ouais voilà. J'ai tous rape, voilà. Non, je vais pas jouer ça. Je vais jouer. Moi aussi, tiens, allez, je vais changer. Je prends. Ah bah non, si tu prends. Vas-y, prends Raynor.
Ok. Paré pour l'aventure. Et j'ai Lily en mode Super Saiyan. Éliminer Raynor maître. Ouais, c'est quoi la différence? Are you ready to rumble? Rap 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 rap. Après Lily Kerrigan, Lily Raynor, quoi. Ça c'est marrant. Après la femme, le mari. Le combat commence dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Que le combat commence. En fait, Lily, c'est un tank, elle, toute seule. Ça a l'air amusant. Reste caché. Je vais les attirer. Là. Oh putain, ils sont tous là, quoi. Ouais. Oh, la merde. Merci, Doc. Ah, c'est la Attention, je vais fontaine. Merde. Merci. Bon, je bats que je vais chercher la mana. Fais gaffe, hein, reste à la porte. Hein. Ouais. Pour le premier tribut. Du coup, il y en a, ils doivent se faire place, non? Et on va, ils sont trois.
Bah 3, ça veut dire qu'il y a 1 et 1 en milieu et en haut. Il y a une ligne où nous on est 2, donc cette ligne là ils se font plaisir. Ouais. Début, voilà, bon, faut les laisser aller au début. Hein. Laisse-les aller, reste là, reste là. Attends qu'ils viennent, nos coéquipiers, parce qu'on va se faire violer quoi. Je pense qu'il faudrait nous emparer de ce camp de mercenaires. Ah merde. Merde, mais où je vais moi? Viens par là, viens par là, viens vers moi, viens vers moi. Si t'as plus de vie. C'est bon, on l'a eu. Oh, chef. Merci. Je ne mérite pas moins. Choisissez. Ça va là. C'est bon, ça passe, ça passe. Merci bien. Donc... Merci pour les soins. Ah putain, ils vont casser la porte. Bah, s'ils bougent pas, clairement on va les raid, parce que là on est en train de push. Ouais, attends, il y en a un qui est parti. Continuons comme ça. Je vais reprendre la ligne d'en haut parce qu'on l'a laissé tout seul. Parviendra à récupérer celui-ci. J'adore explorer l'inconnu. Let's go.
Oh merde, ah, j'arrive, c'est bon, vas-y. Assez. Reste dans le verre, ah, fais gaffe, reste dans le verre, ouais. Vas-y, vas-y, continue. On tient. Oh oh. Ouais, laisse-moi prendre. Ouais. Ah merde, je suis allé dans l'herbe. Ah. Oh putain. Ah. Ah non, c'est bon. Voilà qui est le portail. Ah GG. Ouh. Vas-y, Waze. Continue. Allez. Voilà. J'ai l'ulti. Allez, remonte. C'est bon, là. Tu es blessé. Dirige-toi vite vers une fontaine de soins. Ça
Plus blessures si vous faites. Brr. Et maudit. Bon, on a pas tout gagné. Ma faveur. Nous allons connaître le courroux. Allons capturer des mercenaires. Ça a l'air amusant. J'ai 59k de heal. Oh, j'ai un peu flémardé là quand même. Un peu. Des fois, tu dépasses les 150k avec Elite dans des grosses games quoi. Rudor aujourd'hui il a vécu la journée du troll. Ah. Paré pour l'action. Alors. Qu'est-ce que tu en as hier? Qu'est-ce que c'est? Attends, je cherche mes quêtes du jour. Ah, voilà. Alors, jouer de partie en tant que héros de l'univers Warcraft. Voilà. Donc. On attend Waze. Je vais jouer. Allez. Je l'aime pas celle-là. Ah bon ? Ouais. Non, c'est par contre quelle arrivée ? Celle-là elle est très simple, tu verras. Oula, ouais. Moi c'est ma dernière, hein, tu vois. D'accord. Thank you.
Préparez-vous au combat, Maradonus. Prêt pour la grande aventure? 5 sur 5. On dirait qu'un héros a quitté le pont. Revoilà quelqu'un qui a pas encore eu son compte, on dirait. Ça suffit. Je vous laisse 10 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais. Combat de combat. Alors, ne me colle pas trop, moi je suis fufu, donc je vais partir devant, juste voir s'ils sont là. Ouais, c'est un passif à la Timo, toi, je crois. Bah, moi je suis tout le temps fufu. Ouais, voilà, sauf quand je tire, évidemment. Bien, à un moment aussi, tu peux lancer un hologramme, je crois. Voilà quelqu'un qui a pas encore eu son compte, on dirait. Tu lagues. Et toi aussi, tu lagues. Non. Oh merde, je freeze. Oup. Oh. Quoi? HOTS, on répond plus. Ah. Pareil qu'il y a un trésor sur les quais. Premier arrivé, premier servi. Exécution. Ah ah. Ah 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 bah. Attendre du serveur. Revoilà quelqu'un qui a pas encore. Ah, t'es revenu là. Je suis là, je suis là, je suis là. Faites voir vos doublons et je pointerai peut-être mes canons contre vos ennemis. C'est parti. Oh, je suis nul, putain. J'arrive pas à le caler son A là. Je dois aller trop vite en fait, voilà. Du coup, j'y arrive pas. C'est pas un gibier de patin. Il faut choisir un talent.
enregistré. Ah, je suis mort. Ouais, ça me plaît bien. La chasse au trésor, c'est une perte de temps. Il est juste sous votre nez. Cavalez ma petite rame. Je le ferai. Ouf, j'ai fait gaffe, il y a Zeratul là. Moi je reste à côté de toi, s'il t'attaque, il est mort. Continue comme ça, Médic. Exécution. Oh merde, je suis arrivé trop tard. Ma mort prend tout son sens. Je suis un cochon. Oh merde. Et merci pour le follow. Ah, c'est un skin de diable ça. Quoi? Le poisson, le gros poisson que je mange. Allez, hop. Nova avec la salve tout de suite, ça change une vie. Allez. Nova for the win. Boum! Nice. 5/5. J'aime bien Nova. J'adore ce Médic. Hein? Est-ce que tout le monde appuie? Voilà! Bon, on s'en fiche! Quel feu d'artifice commande! Ouais, ça me plaît bien. Bon, je vais régène. Régène mana. Régène mana. Régène mana. Bon, où est-ce qu'il y a des... Du... Cessez le feu. Ils en veulent encore. Qui paye d'abord? Ah, ils prennent le point, ils vont aller faire le boss. Je vais aller vérifier. Oh.
sont pas là. Devinez quoi ? Il y a des trésors pour tout le monde ! Extraction définitive de la cible. Je donne des pieds. Oh, oh merde, il m'a cochon au vent de ma salle. Je m'en vais. Je suis un nuage. Quand je te donne du heal, ça te spot? Non. Seulement si tu me mets le serpent, on va voir qu'il y a le serpent. Ah ouais. De la pièce, parce qu'on se fait raid depuis tout à l'heure. Ouais. Va poser, Wise. Est-ce que j'ai posé? Oui, ils sont posés. On se casse! Choisissez un talent! Ah, ça me Ah merde, je me suis fait avoir quoi, putain. Ils ont pas suivi les mecs quoi. Bon, gros défaut, je me crois Kerrigan des fois et du coup, je vois ça. Oh putain. Cochons-nous le saucisson comme on le veut chez nous. Ça craint. Ça craint. Ah, les sacs au cimetière, c'est pas très bon. Hein.
c'est pas si facile. Non, le problème c'est qu'on fait aucun camp, on va pas faire les boss, on fait rien là. On fait que du team fight quoi, ça sert à rien, on fait rien. Bon, je le sais parce que comme je vais soutenir les team fight en tant que Fufu, je le vois quoi, on fait que ça. Ouais, faites parler ce canon ou je le charge avec vos crânes. J'adore les sushis. Je pense qu'ils ont leur compte. Je vais mettre 3 heures à voir ce camp, mais bon. Ouais, ça me plaît. On aura des pièces. Ouais. Continue comme ça, Médic. Voilà. Oh, il y a des coffres, il y a des coffres. Qui a volé ma bouteille de rhum? Enregistré. Tir mortel. Putain, je me suis encore fait cut mon tir mortel là. C'est quoi ces conneries? Putain. Oh le hibou, il m'a frôlé les fesses quoi. Wouah. Ah. Du chaud. Ah, ils nous mènent au niveau des doublons, c'est horrible quoi. Ouais, ils nous mènent partout en fait. Hein. Ah, ouais. 5 sur 5. Ouais. Oh putain, ils sont en boss pareil. Et voilà. Putain, ça fait une heure que je l'ai wispé le boss quoi, on a pu le faire. Oh, les dégâts! Et ceux avec qui on joue, ils bougent pas trop. Hein. Ils aiment pas trop bouger en attends, fait. Qui... Ah bah c'est Zeratul. Oh, Zeratul, il te fait mal. Exécution. Extraction définitive. T'as tout aussi qui fait la petite gueule quand même. Oh! Wouah, je l'ai eu. De quoi? Je disais que aussi tu faisais des petits dégâts quand même. Ah mais Nova, mais j'ai tout balancé aussi. Hein. Défendez ce fort. J'ai envoyé le pâté là. Mais Nova, c'est si t'as tout essayé, tu balances, c'est bon, tu tues le mec, y'a pas de problème. Faut pas qu'il reste isolé en fait. Et allez, on s'en prend encore une salve de canon. Oh là 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 là. Bougez-vous, je suis en train d'attaquer votre
Tu n'es pas de... Oh, mais c'est pas vrai, mais comment ils font pour me le casser, mon sort, là? Ils me le cassent à chaque fois, quoi, je comprends pas, hein. Putain, sale, c'est 3 shoots, quoi, pas 1, merde. Je comprends vraiment pas, là. Ils me le cut à chaque coup, pourtant, je t'ai pas été stun. Bref, c'est pas grave, de toute façon, on a perdu. J'ai la super salve, donc là je vais me régaler, quoi. Tous ceux qui ont vu beaucoup de vie, je vais les enchaîner un par un, quoi. Je vais éviter de mourir avant, mais... Allez, rebelote. Eh mais... On s'est fait violer. Juste, ils ont fait tous les doublons. Voilà. Moi le problème c'est que je peux pas faire de camp, sinon je t'aurais demandé de me suivre, on aurait fait ça à deux. Mais bon... Donc ceux qu'on faisait nous, ils venaient après nous buter avec les deux. D'accord, j'ai compris, c'est son truc de glace, il m'enlève complètement mon sort, quoi. D'accord, ok. Ah, je savais pas que ça se tenait, ça. C'est pour ça qu'il me baisse depuis tout à l'heure, il me balance ça dans la gueule. C'est bien joué, en fait, du coup ça m'empêche de balancer mon combo, quoi. Donc en gros, pour l'avoir, il faudrait commencer à le taper, il te le balance en croyant qu'il va te couper la salve, tu te casses et tu le salves. Oh, le pauvre Diablo. Oh, le pauvre Diablo. Oh, le pauvre Diablo. Oh, la 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 la. Oh, 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 oh. Ah, bah, bah, bah. Bon, ben, tous les flancs sont ouverts, hein. Ça y est. Les flancs d'ici, Ça craint quand même, cette partie-là. Ça fait mal. Bon, ils vont aller refaire le boss à tous les coups, hein. On devrait s'emparer de ce camp mercenaire. Bon, je vais y aller, moi je vais attendre là-bas. Voilà. Le seul notre salut passera par là, donc Exécution. Putain, j'ai failli avoir les trois, quoi. Dommage. Eh, il est mort quand même. Ils ont pas fait le boss. Ils ont pas fait le boss. Ah si, il y en a qui est du... Ah non, c'est nous qui l'avons eu. Non, c'est eux. Merde. J'ai cru.
Ok, y en a un qui est parti vite fait le terminer. Ah bah là, c'est elle. Jaina. Putain, je crois pas. Quoi. Trop dommage, quoi. Ouais. Ça aurait été le style du siècle, là. Mais bon, on n'a pas eu une équipe qui nous a trop suivi depuis le début. Ils sont... Voilà. Ils ont voulu prendre l'option team fight. On est doublons, on s'en fout, c'est pour les faibles. Les camps, on s'en fout, c'est pour les faibles. Et au final, on va prendre une morlée. Voilà. Bon après voilà, je peux pas aider au niveau du bash mob parce que je tape une fois tous les 4 secondes. Votre ennemi a été généreux avec moi. Feu, espèce d'ingibier de poisson. Attention, il y a Zeratul avec elle. Montrez à ces marins douces de quel bois on se chauffe. Voilà. Bon, 2 victoires, 1 défaite, ça va, c'était pas mal. C'est plus sympathique, mon cher Maïs. Partager, tout à fait. Oui. Rip. Niveau 4. Bon, bah. Je vais faire une petite pause de quelques minutes pour switcher sur Dragon Age. Dragon Age, le jeu du siècle. Bien entendu. Eh oui. Je vais préparer mes affaires, puis après je te laisse. D'accord. Je reprends. Voilà. Thank you.
Allez, c'est reparti avec mon jeu du moment, Dragon Age Inquisition. Oh là, vraiment un chef-d'œuvre ce jeu, pure merveille. Donc on va de ce pas arrêter la musique de fond, car la musique du jeu Dragon Age suffit amplement. Et on va continuer. Alors, j'avais déjà fait un live avec Dragon Age, le début. Mais depuis, c'est vrai que j'ai pas relive le jeu, mais j'ai quand même pas mal avancé, donc il y a pas mal de trucs qui ont changé depuis. Alors attention, s'il y en a qui veulent faire le jeu, attention au spoil, hein, évidemment, parce que là, clairement, je vais essayer d'avancer un peu dans la quête, mais sinon, au-delà de ça, bon, bah, s'il est à découvrir, il est vraiment très très bon. Après, voilà, c'est un style de jeu, on aime pas, moi j'ai vite accroché, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec, avec ce jeu que c'est... C'est vraiment super. Et donc on y va en suivant. Ah dommage, c'était pile en plein pendant la bonne musique du jeu. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien maintenant j'ai mon propre château. Maintenant j'ai vraiment le contrôle sur toute l'Inquisition. Donc en gros, à partir du moment où on en arrive à ce stade du jeu, on peut dire que c'est le vrai gros début du jeu, puisqu'en fait il se passe... un gros passage purement épique digne du Seigneur des Anneaux à un moment donné qui du coup nous oblige à faire des choix etc assez importants et donc il se passe en fait on va vraiment peut-être pas le dire parce que si vous faites le jeu vous le découvrirez mais il y a un passage vraiment super épique et du coup ça nous a amené à arriver à ce château voilà et ce château est juste complètement pété, il est trop classe et c'est donc notre château quand on est le héros du jeu donc voilà. Alors, à la question, pourquoi une héroïne et pourquoi Marjorie? Alors, très clairement, c'est vraiment suite à un délire avec des potes. Quand j'ai eu mon PC gamer, en fait, quand on l'a configuré, il y en a un qui l'a appelé Marjorie, tout simplement. Et j'ai laissé. Et donc, du coup, bah, j'ai créé l'héroïne virtuelle de ce PC, Marjorie. Voilà, tout simplement, c'est pour ça. C'est assez marrant. Donc là, maintenant, j'ai une multitude de quêtes, une multitude de choses à faire. J'ai aussi une multitude de, on va dire, de farms à faire aussi pour pouvoir faire évoluer la ville. Puisqu'au final, en faisant les réquisitions, on peut améliorer le château. On peut récupérer aussi, dans l'aventure, en fouinant bien, des plans pour faire des meubles ou autre. Bon, ça, c'est plus optionnel. Par contre, il y a vraiment des réquisitions à faire qui, du coup, nous offrent, par exemple, des tours supplémentaires ou renforcer le château, ou faire des jardins pour avoir des plantes à l'intérieur de son propre château, des plantes qui peuvent faire des potions complètement fumées, et autres, et autres, et autres. Même le système de craft est vraiment intéressant, finalement, parce que moi, je suis pas trop pro-craft à l'habitude, ça me saoule en général dans les jeux, mais là, clairement, j'aime bien comment c'est fait, puisque... On récolte en se baladant, ça va assez vite, quand on passe à côté du truc, on le ramasse quasi instant, donc ça c'est bien. Et voilà. Alors, donc, ici c'est ma taverne. Alors, je sais pas trop comment vous l'entendez le jeu, moi je l'entends très faiblement. Juste voir... option, commencer au niveau son audio. Non, ici c'est tout à fond, ok. Donc, je vais augmenter le son à la source, ici, voilà. Normalement, ça devrait être un peu mieux. Là. Bon. On est parti. Donc ça, c'est ma taverne, qui est quand même relativement grande. Donc là, on est au cœur du château, hein. Donc j'ai des alliés supplémentaires. Là aussi, on peut déclencher des romances, donc ou des affinités, qui du coup nous permettent d'aller plus loin, puisqu'on a des quêtes supplémentaires en fonction des personnages. Bon là on va aller dans le vif du sujet tout de suite, on va pas trop faire le tour, donc là voilà mon château. Magnifique, Fort Céleste. Notre nouvel emplacement pour combattre... comment il s'appelle déjà? Chrysodius. Enfin bref, on va dire une engeance puissante. Et avec son archidémon. Donc on va aller dans le vif du sujet tout de suite, juste regarder si j'ai de la place dans mon inventaire. Oui, c'est bon. Allez c'est parti, hop là. Convoquer le conseil de guerre. Voilà. Donc là, le conseil de guerre a bien changé. C'est devenu un truc bien sérieux.
Alors, j'ai des... donc, mes généraux ont fini leur, leur petite quête, donc on va les valider. Voilà, voilà, et... Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Empêcher une guerre contre les Navarrets et Vinter. Disponible, ça fait quoi, ça ? Donc ça, c'est avec Joséphine. Donc on va l'envoyer là. Voilà. Toujours le faire, ça, comme ça, après, on peut s'occuper, nous, des quêtes principales ou secondaires. Et donc, pendant qu'ils font leur truc creusé, des issues pour les agents de Boscret. Ressources de Boscret. Démasquer l'agent double. Obtenir des plantes. Le prix de la puissance. Spécialisation pour l'inquisitrice. Demande de Dorian. Un mémorial pour Dars. Gagner de l'argent. Changer l'itinéraire des soldats dans les dorsales de givre. Des informations de la grande enchantresse. Retrouver les chercheurs perdus. C'est quoi ça? Liliana. Bon, allez, Liliana. Voilà. Et on va faire celle-ci. Des informations de la grande enchantresse. Spécialisation, prix de la puissance. Des nouvelles? Rien pour l'instant. Allez, on y va. D'accord. Voilà. C'est bon, j'ai envoyé mes généraux, c'est nickel. Alors, donc, de ce côté-là, en quête, j'ai éventuellement celle-là, sauver les soldats disparus à Ferelden. J'ai beaucoup fait du côté Ferelden quand même pour l'instant. Ça c'est sûrement parce que j'ai joué à Dragon Age 1 qui se situe à Ferelden. Le 2 je l'ai pas fait, donc je pense que je le streamerai aussi. Parce que je l'ai pas fait et je compte le faire. Et celui-là, normalement, il est plutôt côté Orlaïs. Donc là, c'est des grosses quêtes. Des quêtes avec les... Avec les failles au-dessus. Et on va faire une petite pour l'instant, inspecter la plaine, libérer l'emprise du lion, rencontrer les contacts aux tombes émeraude. On va aller faire ça, allez. Nous avons détecté par un certain Fairbanks, qui prétend avoir des informations très utiles pour l'acquisition. Nous ouvrons un marché. Les renseignements en échange de notre aide pour éliminer un dangereux groupe de rebelles qui se fait appeler les hommes libres de Dalassie. Ces rebelles ont été vus dans toute la Dalassie où ils ont créé des problèmes importants aux troupes orlésiennes. Nous aurions tout intérêt à les chasser. Voyons d'abord ce que Fairbank peut nous dire. Il se cache quelque part dans les tombes émeraudes, une forêt d'Alassienne légendaire, mais Ession affirme qu'il connaît bien la région et son territoire. Si nous décidions de lui faire confiance, il pourrait devenir un collaborateur de choix. Et je peux utiliser la compétence secret. Si vous le souhaitez, j'enverrai des émissaires rencontrer Fairbanks ainsi que des agents embusqués pour le surveiller. Eh ben c'est parti. Allez. Rencontrer les contacts aux tombes émeraudes. L'éclaireuse en chef Harding a rencontré Fairbanks et ses hommes dans les tombes émeraudes et a eu maille à partir avec les hommes libres de Dalassie. Ils sont aussi violents que nous l'imaginons. Quant à Fairbanks, Harding n'a pas réussi à lui soutirer beaucoup d'informations. Il semble ne vouloir raconter ce qu'il sait qu'à la messagère d'Andraste, c'est-à-dire nous. Fairbanks garde précieusement ces informations pour lui. Je me demande si cela concerne quelque chose de plus important que les hommes libres de Dalassie. Si c'est le cas, nous devons apprendre de lui tout ce qu'il sait. Harding a établi un avant-poste dans les tombes émeraudes. Faites attention, inquisitrice, cette forêt est dangereuse et abrite des ennemis anciens et nouveaux. Allez, on va aller la visiter. Donc moi je joue avec... c'est là aussi que je voulais faire un changement en fait. J'ai Serra qui est au voleuse corps à corps, mais je trouve qu'elle prend trop cher à chaque fois. Et du coup, c'est chiant en fait. Du coup je me disais que je m'aurais rentré plutôt sur une compo... C'est-à-dire avec un guerrier plutôt DPS, un guerrier tank, moi en archer, et derrière j'ai Vivienne en mage qui est pour l'instant soutien et feu. Je vais faire ça. Ah mais je peux pas. Obligé de faire mon équipe. Bon bah du coup c'était Iron Bull, c'était Vivienne et Cassandra. Voilà, c'est ça l'équipe que je voulais faire. J'avais Black Wall en guerrier aussi. Dorian en mage. Un autre voleur. Ouais. On va faire plutôt comme ça. Ça peut être pas mal. Je vais tester. Bon, après, le problème c'est que Iron Bull, je l'ai pas préparé au combat. Il a pas de stuff pour l'instant. Donc, il faudrait que j'aille crafter du stuff pour lui. Un minimum. Ouais, je regarde si j'ai les plans nécessaires. Alors des fois il y a des trucs sympas aussi dans ce jeu, c'est qu'on peut aussi
choper des forts dans une carte, et ce fort nous appartient un peu comme le château ici. Alors ils sont un peu plus petits, les forts, ils sont quand même assez grands. Et du coup c'est sympa en fait, parce que ça permet d'avoir d'agrandir son territoire en fait. Mais les zones sont vraiment immenses, le jeu est graphiquement très très beau. Alors il y en a qui ont dit « Oh c'est pas beau hein. » Et ben, jouez-le sur PC en qualité ultra, plutôt que sur console, et vous verrez qu'il est très beau. Et on en prend plein la gueule, notamment il y a une zone qui s'appelle la côte orageuse, où l'eau est juste super bien faite. On voit les rochers qui sont frappés par l'eau, comme si qu'on y était. C'est vraiment des choses, que des petits détails peut-être, mais c'est agréable quand on joue de voir des décors aussi beaux. Ah. Contente de vous revoir, Inquisitrice. J'espère que vous avez des bottes confortables. Les éclaireurs ont repéré plusieurs failles de l'immatériel partout dans la forêt. On a localisé ce mystérieux Fairbanks. Il refuse de donner ses informations à qui que ce soit d'autre que vous. Il a établi un campement avec ses hommes au gouffre du Gator, un peu plus loin. D'après ce qu'on a pu voir, ce sont des réfugiés de guerre, des paysans principalement. En gros, je peux lui faire un gros plan de drague. Mais bon, Alors voyons, qu'est-ce qu'elle dit sur Fairbanks ? Tout ce que vous savez sur Fairbanks. On ne sait pas grand-chose sur lui. Il s'est fait remarquer quand la guerre civile a éclaté en aidant le peuple à fuir le carnage. Fairbanks n'est sûrement pas son vrai nom. Qu'est-ce qui se passe si je dis ça ? Voyons. Ça me plaît beaucoup, ces rencontres. On va finir par bien se connaître, nous deux. N'est-ce pas ? Quel dommage que nos rencontres soient aussi brèves. Mais bon, vous savez, le monde à sauver, tout ça, c'est du boulot. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur la région ? On appelle cet endroit les tombes émeraudes. La légende raconte que chaque arbre qui pousse ici représente un chevalier elfe d'Alamshiral qui a péri en essayant de défendre la région. Plutôt triste, vous ne trouvez pas ? Alors... Nous sommes les derniers Elven. Plus jamais nous ne courberons les chines. Oh, je suis désolée, Inquisitrice. J'ai parlé sans réfléchir. Merci pour ces informations. Oui, parce que j'ai fait une elfe. Oh, une dernière chose. Un groupe de déserteurs des armées impériales s'est établi ici. Ils se font appeler les hommes libres de Dalassie. Ils sont hostiles à l'Inquisition. Et à tout le reste. Surtout, restez sur vos gardes. Bon, c'est l'Inquisition, eh ben on va les tuer alors. Voilà, c'est tout. Voilà, point. Pas de problème. Alors. Donc, Iron Bull. Le problème, c'est que j'ai rien pour lui pour le moment. Bon, il a quand même sa hache. Bon, elle est pas mal, sa hache. Tranchant du taureau. En armure, ouais, bon. Ah, je peux lui mettre un casque. Bon, bah voilà. Il va ressembler à quelque chose. Bon, il est pas très très bien stuff, mais bon. Et donc il est déjà anneau de foudre conductrice. Ouais, ça me sert à rien du tout. Je vais retourner vite fait à mon château et je reviendrai ici donc après. Oh là là, tout ce qu'il y a encore à faire quoi. Ha ! Wouhou ! À peine arrivé, il y a déjà tout ça à faire. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Alors je vais retourner au château, je vais voir si je peux crafter des choses. Pour revenir ici avec un Iron Bull plus prêt et plus convaincant, on va dire, à ce niveau-là. Alors, bonsoir Asmen. Le patch 5, non, je crois pas qu'il est déjà sorti. Par contre, et de rien pour le stream, mais par contre, oui, effectivement, je peux dire que sur PC, le jeu est vraiment très beau. Vraiment, vraiment, il est digne d'un jeu next-gen, très clairement, et quand on met les réglages en ultra, ça passe très bien. D'ailleurs, ils ont fait un mode qui s'appelle le... Alors, je vais vous le montrer. Un mode qui s'appelle... Alors, regardez bien, dans les options... Interface... Tac, 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 c'est pas ça... Affichage graphisme, voilà. Donc, j'ai pas pu tout mettre à fond, en fait. Et dans graphisme, il y en a un qui s'appelle... Non, remettons en ultra. Qualité des textures digne de l'immatériel, voilà. Ça, j'ai essayé. Pourtant, j'ai un i7 avec une carte graphique qui envoie et tout ce bordel. Eh ben, il faut vraiment un sur PC pour que ça passe, quoi. Donc, je mets tout en ultra. Là, ça passe en ultra, mais honnêtement,
Voilà, c'est-à-dire que le jeu est vraiment fait pour... pour du gros, quoi, tout simplement. Alors là, on revient dans Force Céleste, au château, et en fait, au château, j'ai mon petit coin forge, donc j'ai mes petits marchands, tout ça, donc je peux aussi améliorer le commercial de ma ville envers le monde. Donc j'ai un représentant commercial qui s'occupe de ça, plus je libère des routes, des voleurs, plus je libère des forts, plus je libère des choses, en fait, et plus mon influence commerciale sur le jeu influe. Alors ça aussi, ça m'a fait halluciner de voir comment tout est lié. Au niveau de la taverne, les divertissements qui sont proposés, etc., suivant mes choix, ils vont faire des représentations... Oh, j'ai une hache. Une hache sympa, là. Eh ben, c'est bon, ça. On va prendre ça. Ouais, donc suivant les... On va essayer l'un ou l'autre. Suivant les choix, encore une fois, que l'on fait, à nouveau, on se retrouve avec une ville qui évolue d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, j'ai du mal à faire deux choses en même temps, donc je vous parle en même temps que je réfléchis à comment je vais faire ça. Parce que là je suis en train de restuffer un de mes persos, parce que je vais changer ma compo, je gaspille trop de potions avec la voleuse. Donc, oh joli. Ah d'accord, c'est celui-là qui est double à deux mains. Donc ça c'est parfait. Et celui-là, une seule main en fait, déjà fait super super mal quoi. Celui-là en fait a une main. Donc si j'arrive à avoir autre chose à une main dans l'autre main, ça pourrait être génial en fait. Faudrait que je voie ce que je peux faire. Alors on va regarder ça. Donc j'ai de quoi crafter certaines choses. Donc on modifie pas pour l'instant. Alors là je peux améliorer les potions, fabriquer des armes. Voilà, c'est ici. Donc là je peux faire une lame, mais normalement elle est à deux mains. Alors je veux une lame une main par exemple. Là, je fais une poignée, là je peux faire une... Oh, une masse d'armes, 133, 142 DPS, ça peut être pas mal. Donc ça c'est à deux mains. Donc ça techniquement c'est à une main. Ah mais cette épée est à une main, oui, c'est bon. Alors, capacité 10% de chance de récupérer la moitié de la santé au moment de mourir. Ouais, 20 plus 20 magie c'est pas intéressant, plus 30% de chance de créer un objet d'exception. Donc ça c'est pas mal. 2 points de garde en touchant la cible, 2% de chance de lancer une onde mentale, 10% de chance d'utiliser la lame cachée. 5% les coups en mana, endurance et capacité. Oh, ça c'est pas mal. Et la griffe permet de faire quelque chose de beaucoup mieux, donc on va mettre la griffe. Alors. Là je suis à 128 DPS, nécessite 14. 138 DPS pour l'obsidienne, ça c'est pas mal. Vous voyez la couleur de l'arme qui change en fonction du matériau avec lequel je vais faire mon épée. Et donc je vais forcément mettre l'obsidienne, c'est celle qui me permet d'avoir le plus de DPS. Donc on va prendre celui-ci, parce que je vais faire un guerrier DPS. Là, 5 forces, 3 constitutions, 5 forces. L'obsidienne c'est vraiment super comme minerai. Et ben on va mettre de l'obsidienne encore. Voilà. Et en capacité autre. Là du coup je peux monter à 12 forces. Donc je pense que je vais faire ça. On va monter à 12 forces. Avec le cœur d'orage. Voilà. Et on fabrique. Donc 151 DPS, 3 constitutions, 14 forces finalement. Épée large, forte, durable. Ah c'est pas mal. Donc là on a une bonne arme. Oh, je pourrais créer un nouveau bouclier. Un bouclier d'engeance pour ma tank. On va le faire. Faudrait juste que je regarde combien elle a pour l'instant. Alors, Iron Bull. Iron Bull, voilà. Donc tu vas prendre cette épée et... Ah merde, je peux pas avoir l'un... Ah c'est l'un ou l'autre quoi, je peux pas mettre en deuxième main en fait. Bon bah à ce moment là on va la jouer à deux mains, tant pis. Ah c'est dommage. Par contre, Cassandra, ma tank, du coup, elle a une épée forte durable à 128. Elle peut avoir celle-ci, en fait, du coup. Ouais, donc je peux lui mettre celle-ci, ok. Et le bouclier, il est de 15. D'accord. Bon, bah on va essayer d'en faire un meilleur. Du coup, je peux faire un meilleur bouclier pour elle. Donc, on va en profiter.
Bouclier d'engeance, en plus il a de la gueule. Alors, 10% de chance de récupérer un, 10% de bonus dégâts si personne ne vous touche pendant 5 secondes. Plus 20% de magie, plus 2 points de garde en touchant la cible. Ah donc ça c'est intéressant, pour un tank, évidemment. Alors, 19, 24 valeurs d'armure, 19, 19, 19, et 24. Alors, on va mettre du Viridium. Ici, 15 résistance froid, défense à distance, résistance au froid, au feu. Au feu c'est pas mal parce que après il y a les dragons à combattre, mais bon, je vais pas le faire tout de suite, donc on va plutôt mettre de la défense à distance pour l'instant. Et là, on va remettre corps à corps, ou de la santé. La santé c'est pas mal, la santé, on va mettre de la santé, c'est une tank après tout. Voilà. Allez, on fabrique le bouclier d'engeance. Donc c'est pas mal, il est vraiment sympa ce bout. Donc du coup, et j'en suis encore, enfin, je suis quand même pas super loin dans le jeu, même si j'ai beaucoup joué. Parce qu'il est quand même très 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 long. Et honnêtement, voilà, déjà là, je peux quand même faire déjà du stuff sympa. Il y a ce bouclier d'engeance très 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 classe. On va se le faire, voilà. Alors, je reviens sur l'autre, et après on va aller commencer les quêtes. Il me faudrait peut-être une armure, parce que celle-ci elle est quand même un peu pourrie. On va voir si je peux en craft, et donc avec la fabrication d'armure ici. Donc, Iron Bull, là, voilà, je peux faire, donc lui, armure d'éclaireur. Non, lui c'est pas un éclaireur. Il faudrait que je fasse, voilà, les tanks sont là. Armure de guerrier de l'armée libre, voilà, c'est ça qu'il lui faut. Condition guerrier, condition entraînement humain. Ah, donc il peut pas le porter. Celui-là, il peut le porter. Armure de défenseur. Donc celui-là, je peux lui mettre. Ok, donc... lui, par contre, c'est un DPS, donc on va lui mettre 10% de bonus dégâts si personne ne le touche pendant 5 secondes. Ensuite, la valeur d'armure à 102, 119. Faites vos jeux, 102, 119. On va mettre donc ça. Et là, je peux mettre de la force, constitution et force, ça c'est pas mal. On va mettre les constitutions et force. L'obsidienne c'est vraiment cool, dès que j'en trouve faut que je le prenne parce que... Armure de défenseur forte durable, c'est bon, ok. Et est-ce qu'il aurait un casque? Bon, on va regarder du coup qu'est-ce qu'il a sur lui. Bon, il a un casque déjà plutôt pas mal. Hop, on lui met l'armure, machin. Ça, c'est bon. Allez, on va être bien. C'est bon. Y'a que les accessoires où j'ai vraiment pas grand-chose. Bon, on lui mettra à fait, c'est pas grave. Alors, moi, j'ai un point à dépenser en tant que chasseur. Donc, moi, je suis archer. Et bonus de dégâts 200% pour le tir sauté. Et ça, si vous... Vous pouvez vous déplacer plus vite en tirant sans sacrifier votre précision. On va prendre ça. Voilà, donc elle est full archer. C'est un peu le but. Iron Bull, 13 points. Donc j'ai dit que j'en ferai un DPS. Donc arme et bouclier, non. Arme à deux mains, ouais. Ça va être ça, lui, clairement. Maître de guerre, rusé, contrôle le champ de bataille. Galvanise leurs alliés, entrave leurs ennemis et tire parti du moindre signe de faiblesse. Avant-garde, donc ça c'est la protec. Psychomancien, le style de combat d'Iron Bull s'inspire de sa colère et de son agressivité. Il a appris à changer sa douleur en une fureur qui le rend encore plus redoutable lorsque le sang commence à couler. Ah ah, c'est pas mal ça. Bon, je pense qu'on va le faire. On va le faire. Arme à deux mains, psychomancien. Voilà. Voyons ce que propose la psychomancie. Les ennemis présents à l'intérieur du cercle que vous avez créé subissent des dégâts spirituels et vos attaques sont plus puissantes. Plus vous êtes blessé, plus ces deux effets sont renforcés. Plus vous les activez, désactivez, zone d'effet. Bon bah on va le prendre ça, hein, mais on va d'abord commencer avec les trucs à deux mains. Grand fracas, vous lancez une puissante attaque qui anéantit les ennemis et les renverse pendant une courte durée. Entaille protectrice, vous vous tenez prêt à dévier la prochaine attaque ennemie et à asséner un contre redoutable. Ah c'est pas mal hein. 15 points d'endurance, bonus dégâts 300%. Ah c'est complètement fumé ce truc là quoi. On va commencer par ça, on va mettre ça. Voilà. Chaque coup critique réduit le temps, force plus 3, voilà. 300% de dégâts de l'arme. Ah ouais, il a vraiment des trucs complètement fumés. Bon, on va faire ça. Et voyons ce que je peux mettre en psychomancie. Donc on a dit qu'on ferait ça. Ok.
Là, bonus de dégâts 30% lorsqu'un ennemi meurt près de vous, l'exaltation vous pousse à frapper plus fort. Il pensait vous affaiblir en vous blessant, il se trompait. 5% pour tous les 10% de santé perdus. Allez, c'est complètement fumé. Carnage. Lorsque cette capacité est active, vous disposez d'une force physique implacable. Vos attaques sont plus rapides et infligent plus de dégâts et vous récupérez de la santé à chaque coup. Super. Ça ressemble un peu à... dans World of Warcraft, le DK un peu. La proximité d'un ennemi gravement blessé vous plonge dans une frénésie qui augmente votre vitesse de déplacement et vos chances de coups critiques. Putain, c'est énorme. Vos frappes critiques sont susceptibles de finir en bain de sang et de faire fuir de panique les ennemis à proximité. Bon, odeur du sang. Voilà, allez. Iron Bull complètement fumé, quoi. Voilà, j'ai un perso qui va envoyer très très cher. Alors, donc ici, c'est mes conseillers. Alors là, je peux modifier armes et armures. Donc voyons, est-ce que je peux modifier... Donc, l'épée forte durable... Moi, j'ai ça. Poignée, donc elle est déjà mise. Iron Bull. Ultime Baroud. Ah, mais j'ai rien. Aucune amélioration de manche disponible. Aumoron solide. Bon, ben j'ai rien d'autre. Ok, ma tank, qu'est-ce qu'elle a? Manche tranchant d'arme à deux mains. Bon, j'ai pas de rune. 6 constitutions, c'est parfait. Serra, je la joue plus. Vivienne. Elle est où? C'est celui-là. Ouais, ça c'est un bâton, donc je peux pas l'améliorer. Ok. Bon, bah on va être prêt, hein. Juste vite fait les armures. Non, je veux pas te parler à toi, moi je veux changer mon armure. Modifier les armures. Alors, moi j'ai ça, je peux pas. Elle, je peux. Mais elle a déjà de tout. Là non, ok. Ok, donc elle est faite. Vivienne. Je ne peux pas, c'est une mage. On ne change pas le stuff mage, donc là je peux pas non plus. Donc ça c'est parce que je les craft. Ok, bon bah c'est bon. Allez, on est prêt. Bien. Là, je suis à 17 sur 60. Donc clairement, on va pas teindre, pas vendre. On va poser tout ça dans la réserve. Meule du destin. Ah ouais, ça franchement, ça c'est du bouclier. Bouclier troll. La meule du destin. Honnêtement, quand ils ont fait ça, ils ont juste pété un plomb. Alors, mais c'est très marrant. Déposer. En même temps, quand on code un jeu comme ça, à mon avis, ça doit être tellement lourd, tellement long à faire que les mecs, ils ont craqué un soir, ils mangeaient sûrement... Ils devaient sûrement manger du brie ou je ne sais quoi, un fromage quelconque. Et du coup, ils se sont dit, hey, les gars, vas-y, on va se faire un bouclier meule du destin. Ça va être juste terrible. Allez, on y va. Maintenant, mon équipe est prête. Et je pense que je vais envoyer encore plus du bois avec cette compo-là. Et je vais économiser un peu mes potions aussi, que ce que j'avais avant, clairement. Alors... Ouh, mais ça parle énormément, là, sur le... Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Picard. Comment ça se fait qu'il y a un coffre ici? Alors clairement le coffre il est dans le fort, dans le château en fait. Ah, psy commence à me cheater. Et bonne anyways. Et non, le coffre, moi je sais pas, vu que j'ai commencé le jeu récemment, mais j'ai vu que dans une des mises à jour du jeu, c'était assez critiqué de pas pouvoir avoir une réserve en fait, donc ils ont mis la réserve. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, parce que quand on a beaucoup de stuff intéressant et autres, surtout quand on combat, je pense, les dragons ou autres, il doit y avoir une raison, mais moi pour moi c'est pas une découverte, puisque je l'ai eu dans le jeu, comme ça quoi en fait, directement. Qu'est-ce qu'il y a? Donc oui, là j'ai pas de j'ai pas activé le deuxième écran, donc je reviendrai régulièrement voir ce qui se dit sur le chat pour répondre aux questions. N'hésitez pas, posez-les, vous inquiétez pas, je vais revenir de toute façon pour y répondre. Il y a aucun problème.
Juste que là, quand je joue à ce jeu, en fait, j'essaie de rester un minimum concentré. Et du coup, voilà. Du coup, je viendrai régulièrement voir. Alors, ce que j'expliquais, donc pour ceux qui découvrent, les réquisitions, elles sont là. Donc, vous voyez, aménager la cour. Donc là, en fait, l'antivenin, apparemment, donc ça permettrait de protéger les éclaireurs qui affrontent les araignées, pour pas les perdre. Là, on peut faire un jardin, des tapisseries, une tour de guet. Donc on peut restaurer, en fait, la géologie de Boscré, la géologie des tombes émeraudes. Voilà. Ça donne des... ça, par contre, ça donne de la puissance plus 1. Bah, tout donne de la puissance plus 1, en fait. Et ça améliore en même temps la... le château. Le petit cercle en bas qui est vachement pratique, en fait. C'est pour voir un peu ce qui se trouve autour de nous. Je trouve ça vachement bien.